Eh bien, aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo haul spéciale Fashion Nova. J'ai vraiment trop hâte d'essayer tous les articles que j'ai reçus. Comme d'habitude, le carton est juste ici et je vais l'ouvrir avec vous et on va voir en direct si ça me va ou pas. Mais franchement, j'ai regardé vraiment plusieurs vidéos haul sur cette marque et ça a l'air vraiment canon et ça a l'air surtout de super bien taillé. Là, du coup, j'ai choisi des habits un petit peu voilà, de rentrée que je vais vraiment mettre. Franchement, je suis vraiment fan de ma sélection, je vous jure, donc j'ai trop hâte de voir si tout va aller. J'ai commandé des jeans, des pantalons, à ce qui paraît jeans et pantalons, ça taille vraiment trop bien, donc on va voir. J'ai commandé quoi aussi, des petites blouses, des t-shirts, puis aussi je crois que j'ai commandé deux vestes, donc franchement pour l'automne c'est parfait. Donc écoutez, on va commencer sans plus tarder. Cette fois j'ai vraiment essayé de prendre des habits qui allaient ensemble, voilà, histoire que ce soit un petit peu plus joli la tenue. Le premier article que je vois qui est un pantalon noir, donc je mise tous mes espoirs sur ce pantalon parce qu'en fait je vous explique, ça fait des mois que je recherche le pantalon noir parfait. C'est vraiment d'en trouver dans tous les magasins, mais à chaque fois il y a toujours quelque chose qui cloche. Et là franchement sur la mannequin, canon quoi, enfin je veux dire, mais en même temps je vous préviens, sur Fashion Nova, voilà, c'est vraiment des corps vraiment à la Kim Kardashian quoi, mais voilà, c'était vraiment magnifique. Un pantalon coupe droite, donc c'était exactement ce que je voulais. Et franchement là la matière est vraiment bien, donc pour le coup je pense que ça va être plutôt cool. J'ai trop hâte d'essayer. Avec, je vais essayer cette petite blouse. Je m'en souviens que j'avais commandé une petite blouse bleu clair parce que je n'en avais pas du tout. C'est vrai que pour cet automne, franchement, il me manque vraiment des petites blouses, des petits hauts un petit peu classe, parce que pour le coup, j'en ai pas beaucoup. Vraiment, elle a l'air canon, toute resserrée ici au niveau de la taille. Non mais elle a l'air magnifique. Oh là là, j'ai trop hâte de l'essayer. Avec, voilà, resserrée ici au niveau des manches, vraiment trop canon. Et au niveau de la taille, tout resserré comme ça. Essayez les deux pièces et puis je vous retrouve juste après, mais je pense que ça va être canon. Oh my gosh, les gonzes, je suis trop contente. Ça semblait trop beau. Enfin, j'ai trouvé le pantalon parfait. Genre, je suis trop contente. Le seul petit truc, c'est qu'il baille un petit peu ici, mais franchement, avec une petite ceinture, c'est très bien. Au niveau de la taille, c'est parfait. Même au niveau de la longueur, c'est parfait aussi. Pour le coup, je fais 1m68 et il me va parfaitement. Franchement, je pense que vous verrez rien comme il est noir, mais je vous jure vraiment, faites-moi confiance, il taille super bien et il met vraiment vos formes en valeur. Même au niveau du derrière, il y a des petites poches ici. Je suis trop contente, vraiment, c'est vraiment le pantalon que je vais mettre tout le temps. Donc clairement, un super bon basique et je vous recommande à 100%. Et franchement, le petit top, mais adorable, vraiment, je le trouve vraiment trop beau. Un petit peu ce style corset comme ça, il est trop beau. Juste peut-être qu'il devrait être un tout petit peu plus serré au niveau de la taille, mais bon, franchement, c'est un tout petit détail. Dos, etc. Enfin, j'adore. On va continuer avec un petit peu le même style, le même pantalon, mais cette fois en carreau. Donc je sais pas si vous verrez bien le motif comme ça, mais vraiment super joli. C'est vrai que j'avais pas du tout de pantalon un petit peu en motif carreau comme ça. Franchement, je suis bien contente de l'avoir pris sur Fashion Nova. Comment le noir taille bien, je pense que lui ça va être pareil, donc trop cool. Pareil, voilà, il est droit avec les petites poches derrière. Franchement, trop cool. Et avec, du coup, ce qui peut être joli, c'est que j'ai pris une sorte de petite blouse en satin noir. Oh là là, je pense que ça va être vraiment canon. Voilà, franchement, cette petite blouse slash chemise a l'air vraiment dingue. Et je pense que celle là, elle fait vraiment très soirée avec un grand décolleté. Mais je pense que même je peux le mettre genre au boulot, enfin dans la vie de tous les jours, avec un petit débardeur en dessous, ça peut vraiment être sympa. Donc bon, écoutez, j'essaye le pantalon et la petite blouse. Et puis je vous retrouve dans un instant, mais franchement, ça a l'air pépite. Franchement, j'aime beaucoup la blouse. Elle est vraiment super belle, mais voilà, je pense que la prochaine fois je la porterai avec un petit débardeur en dessous. Je pense que je serai beaucoup plus à l'aise, mais franchement, elle est vraiment trop belle. Pas trop ce que vous en pensez, mais franchement, moi le pantalon, j'adore. Il est peut-être un chouïa grand, parce que oui, c'est vrai que je vous ai pas dit, mais j'ai pris les deux en taille M, si je me trompe pas, parce qu'en fait, les commentaires disaient taillé petit, donc bon, du coup, j'ai préféré prendre la taille M. C'est que autant le noir ça passait, autant là, voilà, c'est que pour le coup, la taille en dessous aurait été mieux, parce que c'est que bon, là on voit pas trop, mais derrière ça baille quand même pas mal. Donc je vous conseille de prendre celui-ci en votre taille habituelle et par contre le noir en une taille au-dessus, parce que pour le coup il taillait vraiment très bien. Et bien sûr, je compte sur vous pour me dire en commentaire ce que vous en pensez, quelle est votre tenue préférée. Donc vraiment n'hésitez pas, à chaque fois ça me fait trop plaisir. Et là pour le coup, on va vraiment partir sur un autre style, mais alors vraiment totalement. Donc du coup, pour ce look, on a un petit jean plutôt serré, plutôt près du corps, mais en fait au niveau du bas il est plutôt droit et un petit peu évasé. Le derrière est comme ça, les poches sont quand même un petit peu petites. C'est vrai que normalement les jeans Fashion Nova sont censés vraiment très bien taillés et vraiment mettre les fesses en valeur. Ouais, franchement, j'ai vraiment hâte de voir comment il rend sur moi. Et pour info, au niveau des tailles, du coup, j'ai choisi de prendre une taille 3 qui est entre un 36 et un 38. Je voulais vraiment pas un jean qui me compresse, donc je pense que là, ça va être bien. Et puis avec, j'ai vraiment choisi un t-shirt, je sais même pas si je vais le mettre dans la vie tous les jours. Je le trouve vraiment trop mimi, même au pire en pyjama ou quoi. Donc bon, je vais laisser avec le jean, je pense que ça peut aller bien. Et du coup, je pense qu'avec cet ensemble, je vais essayer du coup mes deux vestes que j'ai commandées, qui sont vraiment deux vestes colorées. Surtout pour la verte, franchement, j'ai vraiment pris un truc très original, mais je trouve
trouve que sur le site elle était vraiment très belle. Donc bon, on va commencer par la verte et de toute manière bah, je vais vous essayer tout après. En gros, comme vous pouvez le voir sur la photo, c'est une veste un petit peu en vinyle, enfin je sais pas trop la matière. Bon, en vrai, avant d'essayer le t-shirt jaune, je pense que je vais garder le haut, je vais juste enfiler le jean et puis je vais mettre la veste par dessus et j'essaierai du coup la seconde veste après, parce que c'est vrai que je pense que le jaune plus le vert plus le bleu, ça va vraiment faire beaucoup de couleurs. En vrai, elle peut vraiment rendre bien dans une tenue, donc écoutez, j'essaye ça, mais en tout cas la qualité est vraiment bien, ça fait vraiment pas cheap, donc je suis plutôt contente. J'essaye le jean et la veste et je vous retrouve tout de suite. Avant de mettre la veste, je vais quand même vous parler du jean. Franchement, j'adore, il taille vraiment super bien. C'est vrai que peut-être qu'il est un petit peu trop long, les fentes en bas ça fait un petit peu bizarre, faut vraiment que je sois en talon pour que ça fasse vraiment très joli. Pour le coup, il taille super bien. Au niveau du derrière, les poches sont comme ça, donc c'est vrai que ça met les fesses en valeur. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les poches sont vraiment beaucoup plus petites que dans mes jeans habituels, donc c'est peut-être ça en fait finalement qui met les fesses en valeur. Je sais pas, mais en tout cas, il taille vraiment très bien. Et voilà, franchement je suis trop contente. Voilà, c'est que je pense que je le couperai quand même peut-être en bas, histoire que je puisse le mettre avec des baskets sans que ça traîne trop. Et franchement, c'est une réussite pour ce pantalon. Et puis on va essayer la fameuse veste. Franchement, je sais pas si ça va aller. Ça y est, je l'ai enfilée. Je crois que j'aime pas trop les gonds. Enfin vraiment, c'est très spécial. Et je pense qu'en fait elle aurait vraiment été très belle avec une tenue toute noire, parce que c'est vrai que là du coup je sais pas, j'aime pas trop. Et puis en fait c'est ces gros trucs là qui je sais pas, ça fait bizarre. Mais en vrai je pense que ça peut vraiment être stylé pour une tenue. Après laquelle je sais pas. Mais quoi, j'ai voulu essayer de la porter fermée, mais non, c'est encore pire. On dirait vraiment une tenue de ski. Bon, bah écoutez les gonds, je sais pas. N'hésitez pas à me dire si vous voyez le potentiel de cette veste ou alors pas du tout. Peut-être que je me trompe complètement. Pour la prochaine tenue, du coup, je vais essayer le petit t-shirt avec une autre veste. C'est une veste vraiment tout en moumoute comme ça. Je pense que ça peut être vraiment trop joli. Sur la mannequin, c'était vraiment très beau. Porter comme ça par-dessus une tenue, ça peut être très sympa. Donc franchement, je suis contente de l'avoir pris celle-ci. La couleur est vraiment belle pour le coup. J'ai un petit bleu clair bébé. Franchement, trop beau. Donc bon, du coup, j'essaye le t-shirt et je vous retrouve tout de suite. Bah écoutez, voici le t-shirt porté. Voilà, c'est que je trouve que ça fait vraiment quand même très enfant. Je pense qu'en fait, j'aime plus le mettre en pyjama. Le dos est vraiment simple, il n'y a rien du tout. Et le devant, bah trop mini. Donc voilà pour ça. Je vais quand même essayer la petite veste avec, mais je l'avais vu porter juste avant, donc je pense que ça sert pas à grand chose. Du coup voilà, la petite veste portée. En vrai voilà, je pense que c'est pas mon gros coup de cœur de cette commande, mais je pense que je la mettrai parce que c'est une veste qui fait vraiment cosy, qui est vraiment toute mignonne. Et puis on va finir avec le dernier vêtement de cette commande, et franchement pas des moindres, c'est une robe mais pépite. Du coup c'est vraiment une robe qui fait mais hyper classe. Mais attendez les gonzes. Mais merde. Les gonzes, là il y a eu vraiment un énorme malentendu. En fait je vous explique, j'étais vraiment persuadée d'avoir commandé une robe que je vous mets juste ici. Mais en fait j'ai juste reçu ça. Donc en fait je pense que ça va être juste la jupe. Bon, je trouve un petit haut noir et je vous retrouve juste après. Bon et ben finalement j'ai trouvé un petit haut qui ressemblait à celui que portait la mannequin. Donc je sais pas du tout si j'ai mis en fait correctement et je sais pas du tout si j'aime aussi. Franchement je vous avoue, je sais vraiment pas quoi en penser. Ça me gaine, mais genre vraiment ça vous colle. Après elle est jolie hein, c'est quand même vraiment élégant etc, mais je trouve que c'est pas trop mon style. Et ça allait très bien à la mannequin, mais je trouve que sur moi voilà, pour le coup c'est voilà, c'est un petit peu moins bien. Je sais pas trop ce que vous en pensez. En plus la longueur je préfère si c'est un petit peu plus long. Le problème c'est que si c'est plus long bah ça va descendre, donc du coup je trouvais ça joli que ça monte un petit peu plus. Pour le coup je trouve que c'est vraiment une tenue qui est très élégante etc, mais voilà franchement je suis pas bien sûre que moi je la porterai. Donc bon, encore une fois n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je dis ça mais peut-être qu'avec un chemisier blanc ou quoi ça peut être vraiment très joli, parce que pour le coup ça peut juste faire en fait une jupe qui monte haut. Je vais donner une petite conclusion à Fashion Nova. Bah clairement je suis vraiment pas déçue. La qualité est vraiment là, on ressent vraiment que c'est des vêtements de qualité qui vont vraiment durer dans le temps, donc ça franchement c'est vraiment top. Les vêtements taillent super bien, franchement ça c'est pas un mythe, que ce soit les pantalons, enfin vraiment ils taillent tous trop bien, et ils sont là vraiment pour mettre en valeur le corps. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je teste du coup un peu plus la marque Fashion Nova, parce que franchement j'avais vraiment une liste de favoris d'au moins 50 articles, donc clairement si vous voulez un autre haul je le ferai avec plaisir. Donc bon, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. En tout cas moi je vous fais vraiment d'énormes gros bisous, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.